mission de Laurent Ruquier. Il a battu le record de passage. Il parle des hommes et il parle des femmes, du rapport entre les hommes et entre les femmes. Et après, on fera plus ample connaissance. Olivier de Benoît. Bonsoir. On dit souvent dans un sketch, les trois premières minutes sont les plus dures parce que le public n'est pas chaud. Est-ce que vous êtes chaud? Au moins vous êtes franc, on va attendre trois minutes. Le thème de mon sketch traite des rapports hommes-femmes. Je pars du principe que les hommes sont malmenés par la gente féminine depuis plusieurs siècles. C'est pas moi qui le dis, ce sont des scientifiques nord-coréens, donc c'est vrai. Il faut respecter la science. Je pense également que les femmes ont pris le pouvoir parce qu'elles ont plus de talent. Il y a moins de réactions, c'est normal, c'est l'étonnement. Mais j'ai réussi à régler les problèmes hommes-femmes. En fait, ce qu'il faudrait, c'est que les hommes disent tout ce qui va pas chez les femmes et que les femmes disent tout ce qui va pas chez les femmes aussi. Vous êtes d'accord, messieurs? Oui! On va le faire maintenant. En fait, avant le début de l'émission, j'ai demandé à des hommes d'écrire des choses qui les tracassent au sujet des femmes. Et voilà ce que vous avez écrit. Alors, tiens, j'ai demandé à un homme de bien vouloir m'aider. Quel est votre prénom? Rocco, c'est joli comme prénom, Rocco. Tiens, Rocco, si vous avez une main libre, tiens, voilà. Là. Je lis, Rocco, et si c'est intéressant, tu notes et on fait un premier jet, ok? C'est pas la meilleure vanne non plus. Je n'ai pas parlé à ma femme depuis 2 ans parce que je ne voulais pas l'interrompre. Qui a écrit ça? C'est horrible. Vous vous rendez compte quelle souffrance? Tu mets rien. Le mariage est un cercueil dont les enfants sont les clous. Mais clous, écris vraiment, on va s'en servir après. C'est bien gentil la beauté intérieure, j'y suis pas souvent moi à l'intérieur. Ça c'est nul les gars, ça c'est complètement nul, non arrêtez. Non mais là, mets rien. Ma femme est magicienne, elle me casse les couilles sans jamais les toucher. Écris. On en fait une dernière, c'est tellement monstrueux. Toutes des salopes. Quelqu'un qui a écrit toutes des salopes. Ça c'est nul. Écris ça. On arrête là-dessus. On en est où là? Toutes des salopes. Non, c'est marrant, c'est la même écriture. Tu mets 2 P à salope, toi? Non, j'arrête. En plus, je me rends compte en vous regardant qu'il y a plus de femmes que d'hommes ce soir. En plus, elles ont l'air vives. Alors, ce que je vous propose, c'est de vous lire ce que les femmes ont écrit hier et que je n'ai pas dépouillé. Je vous demande un instant, je corrige les fautes d'orthographe. Il y a 5 fautes dans le premier mot, pourtant c'est le. Ça doit être une prof. Pardon, c'est tellement mal écrit. Chaque jour, je suis davantage ébloui par l'intelligence des hommes. On peut pas travailler, Patrick. Je suis aujourd'hui presque aveugle. Je les découvre en même temps que vous. J'ai plus rien, moi. Les bisous, c'est bien. Les bijoux, c'est mieux. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Qu'est-ce que c'est que ces conneries? On a envoyé un homme sur la Lune. Pourquoi on n'a pas continué? Je me suis trompé de paquet, les gars. Là. L'homme descend du singe. Mon mari est toujours en haut. Mais qui... Non, j'arrête, c'est beaucoup trop violent, j'arrête. Messieurs, pour conclure, est-ce que vous avez déjà rêvé de vous transformer en femme pendant 3 minutes? Oui? Oui, on n'a pas le temps. Alors, vous prenez un verre avec de l'eau light. Light. Vous mettez beaucoup d'humour. Un peu de mauvaise foi. Oh là là, le verre...
le verre est trop petit. Et vous mélangez avec une carte de fidélité des Galeries Lafayette. Ah! Oh, le vide! Je vois plus rien, je vois des sacs à main et des bottes. Ah! Non, ça y est, je suis une femme, je suis légère. Je voudrais partir demain tout plaqué pour sauver tous les enfants dans le monde, mais je peux pas, demain il y a les soldes. J'ai un peu de temps, je vais faire la gueule. Je veux mourir, mais avant je voudrais être un homme juste une fois pour savoir comment on fait les créneaux. Parfois je suis con, ce matin je vais chez le primeur, j'achète des pommes de terre, il me dit des nouvelles, je lui dis ça va la forme. Ça m'arrive tout le temps, la semaine dernière je vais à la gare pour acheter un billet, il me dit quelle classe, merci. Eh les filles, est-ce que vous voulez que je me transforme en homme? Oui! Vous prenez un verre avec de l'eau des chiottes, j'en ai rien à foutre. Vous mettez beaucoup de sentiments. Oh, j'en ai trop mis. Un peu de sexe, tous des salauds, bah! Et un bout de livre de Victor Hugo. Les Misérables ou un autre. Et... Oh, ça fait du bien, mon corps change. J'ai un nouveau cerveau qui pousse. Ça y est, je suis un homme. Allez, j'ai un peu de temps, je vais faire ma toilette. Pff. Ça fait du bien d'être propre. Allez, j'attends la femme de ma vie. Pour moi, la femme idéale, c'est un mélange. C'est Clara Morgan dans mon lit et Maïté dans ma cuisine. Et évidemment pas le contraire. Cherche une femme, ce serait un fantasme. Ce qui serait génial, c'est que nos désirs aillent dans la même direction. J'ai faim, elle a envie de me faire de la bouffe. Je regarde la télé, elle a envie de fermer sa gueule. Mais c'est un fantasme, wow! Sinon, le fantasme absolu, c'est quoi? C'est de faire l'amour à une fille et juste après, elle se transforme en pizza chaude et en canette de bière. Mais ça n'existe pas, on n'est pas sur la même planète! Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Olivier de Benoît, ODB. Grand succès mérité, un recordman de passage chez Laurent Ruquier, près de 40. Et puis, il faut le dire, à partir du 13 avril à l'Européen, du mercredi au samedi, si vous avez envie de prolonger cet humour. C'est un spectacle où je rends hommage à la gente féminine. J'espère que le public l'a bien compris. On t'a bien compris. Alors, on s'est rencontrés à Saint-Gervais, au 27e Festival Mont-Blanc d'Humour, où tu as obtenu le prix du public. Voilà, exactement. Tout le monde a trouvé ça extraordinaire. On accueillera d'ailleurs tout à l'heure Baptiste Le Caplin, qui lui a obtenu le prix du jury. Alors, c'est vrai qu'on s'est parlé, tu m'as dit, bah tiens, moi j'aimerais bien un jour faire les Stars du Rire. Tu y es. Oui, oui, non, mais c'est vrai que c'est rare de rencontrer quelqu'un qui en dit je veux faire les Stars du Rire, et deux semaines plus tard, on fait les Stars du Rire. Donc, je vais vous demander autre chose. Maintenant, je veux une voiture de luxe. Eh bien, non. Alors, il faut dire que. Non, je sais pas. Patrick Sabatier, c'est le Père Noël, mesdames et messieurs. Olivier de Benoît de Gentissart. Exactement, écoutez, vous ne vous cacher, écoutez, voilà, c'est l'aristocratie. Oui, alors, élevé avec beaucoup de frères et sœurs, c'est ça? Six frères. Six frères. Oui, j'ai pas de sœurs, école non mixte, scoutisme, week-end et vacances. La première fille que j'ai vue, c'était en quatrième dans mon livre de biologie, c'était une coupe transversale. Et la première fille que j'ai embrassée à 19 ans, j'ai fait une telle salade de langue que j'avais même avalé un de ses aftes. Qu'est-ce qu'il y a? Ça va? C'est hyper bon, ça le goût de litchi quand il éclate. Mais... Il n'y a que des coincés ce soir, pas possible. Est-ce que tu es marié? Oui.
Est-ce que ta femme t'inspire? Énormément, tous les soirs. Tous les soirs. Elle nous regarde, évidemment, parce qu'elle adore votre émission, Patrick. Et en fait, et blague à part, c'est ma principale source d'inspiration. À travers elle, je vois la gente féminine, et tous les soirs, je suis surpris. Il faut dire qu'à un moment donné, dans le spectacle, tu parles des sacs des femmes. Exactement. Et ça, c'est extraordinaire, parce que c'est très, très vrai, quand même. Ben écoutez, les sacs à main des femmes qui pèsent environ 50 kilos à vide... Je sais pas s'il y en a dans le public des sacs à main, mais ce serait bien d'en choper un pour voir. Non, mais c'est vrai que pour moi, il y a toute la vie d'une femme dans son sac à main, et on connaît la femme en voyant ce qu'elle a dans son sac. Et donc j'en ai fait un sketch qui marche assez bien, où je découvre des objets absolument insolites dans le sac à main d'une femme, alors que nous, dans les poches, nous n'avons rien. C'est vrai. Je tiens à le dire. Si, excusez-moi, je vous montre simplement, mesdames et messieurs, nous, dans nos poches, nous n'avons rien parce que nous sommes quasiment que spirituels. Nous avons peut-être ça, vous voyez. Nous avons peut-être ça. Parce que quand vous êtes dans une boutique, quand vous êtes dans une boutique avec notre carte bleue, nous on est dehors et on prie. Olivier de Benoît, l'Européen, à partir du 13 avril, du mercredi au samedi, à 20h30. Quel public!